Je parlais à l'histoire tanzanienne. Pendant que j'ai, avec Van Boy, discuté avec Yonsa sur live. Veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et écoutez cette conversation directe sur Planet Live TV. Je suis des abonnés directs. Ici, le star Tanzanie Harmonize Park avec Revan. Il vient d'appeler Nossa. Il appelle Nossa. Harmonize se demande pourquoi son vidéo a été effacée. Là, c'est Harmonize qui parle avec Harmonize. Sur l'interview, il supplie Nossa de revoir la chanson Yanga Bingwa. Pour le remettre encore sur YouTube, parce que Nossa, il a effacé cette chanson-là, Yanga Bingwa. Parce que le copier a été collé par Aswa. On vient de mettre la chanson de Inosa et montrer la raison pour laquelle Inosa avait effacé cette chanson. On supplie Inosa de remettre encore la chanson. Là-bas, c'est Revan qui a voilà, est-ce que sur YouTube c'est sur ses idées ou bien c'est les idées du producer, parce que c'est Revan qui disait à Harmonize que c'est sur ses idées ou bien c'est les idées du producer, parce que le producteur peut prendre cette chanson là et mettre ses données aux stars. Donc le beat, après YouTube va détecter là, va détecter cette beat là, et puis il y a ce qu'on appelle droit d'auteur, et le propriétaire va choisir s'il va effacer ou pas. Et c'est par là qu'Inosa a effacé cette chanson qu'on appelle Yanga Bingwa. On attend, on l'exécution, et en fait, si vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la clochette.